Bonjour et bienvenue sur le live. Désolée, j'ai c'est la musique qui a défilé plus longtemps que d'habitude parce que j'étais en train de faire un truc. Voilà. J'étais en train de faire un petit sondage donc du coup sur le Discord pour savoir, vu que FF ça va être fini bientôt, je vais avoir un créneau de libre parce que je vais toujours faire du FF peut-être une à deux fois par semaine tout de même. Mais du coup j'aurai peut-être un jour de dispo pour un autre jeu. Donc j'ai fait un petit comment dire, sondage parmi 5 jeux que j'ai en cours. Que j'ai eu en cours, enfin que j'avais commencé en live. Du coup, bah, est-ce qu'il voudrait finir? Donc j'ai lancé FF. Aujourd'hui c'est du FF. Essayer de finir l'histoire. Voilà. Juste en fait je suis mal mise, je re... On va vous mettre la webcam parce qu'apparemment elle ne s'est pas lancée comme d'hab. Voilà. Ouais, vous avez la webcam. Et en plus ça charge, c'est nickel. Normalement, ici, le retour, il est bon. Là, sur la page internet, il y a l'image, donc je vais quitter ça. J'ai rajouté Elden Ring. J'ai pas rajouté Elden Ring. Mais lol. Alors, j'ai pas rajouté Elden Ring, mais tu peux le proposer pour le live anniversaire. S'il y a assez de votes, parce que je pense que c'est pareil, là, je prends vos idées pour le live anniversaire et bah, je ferai un système de vote pour voir quelle chose va mieux à la commune. On va dire. Même si, si vous votez pour le live 24h, je vais avoir envie de me foutre en l'air. Je préfère encore jouer à Elden Ring. Est-ce que c'est clair? C'est terrible. Non, mais si c'est ça, je fais des siestes d'une heure, j'envoie Elfis combler pendant une heure. Sur mon PC. Techniquement, j'interromps pas le live. Ça passe. Ce serait un relais. J'ai eu un MP qui m'a fait rire, désolé. Ah, je me suis perdue. Je me suis perdue sur Discord, c'est foutu. D'ailleurs, là, du coup, je fais voter des jeux. Donc, il y a Genshin, Assassin's Creed Odyssey, que j'avais bien commencé, que j'ai pas fini les extensions. J'ai fini le jeu de base, pas les extensions. Dying Light 2, où j'étais sur la deuxième map. Kingdom Hearts, que j'ai commencé, mais le serveur m'a fait rage quit. Et A Dead of Night, qui est un jeu d'horreur qui me ferait très très mal de le faire toute seule. Mais à mon avis, je le ferai toute seule. Et je vais pleurer. Voilà. Là, pour le moment, c'est égalité entre Genshin et Kingdom Hearts, parce qu'il y a déjà des votes. Je viens juste de le poster. Et Dying Light 3 en troisième position, du coup. Voilà. Ouh. Kali, t'es sur le live ou pas? Attends, parce que du coup, je vois qu'il écrit Tara. Salut Tiki. Kali. Donc voilà, on va aller finir l'histoire. On a peut-être deux, trois trucs avant. Hein. On a nourri les chocobos, là on va faire bosser un peu les servants. Je suis de retour. Oui, on a réglé son problème d'abonnement. Ils ont changé la station Mog et on trouvait plus comment on s'abonne. Voilà. Mais ouais, Elden Ring, ça peut être une suggestion pour le live anniversaire si tu veux. Ça me dérangerait pas d'aller sur du Elden Ring. Dark Souls 3 un peu moins OP parce que voilà. Mais Elden Ring, pourquoi pas? Éventuellement. Peut-être. On change un petit peu les prix.
Histoire que ça parte, parce que j'en ai marre de les voir. Ouah, j'ai rajouté à 0. 0 en 3. Ça va, papa? On garde le prix de... Ouais, non, c'est bon, large. Ah, il ne sait pas quoi demander au Père Noël, Kali. Après, alors, je sais pas si Kali est en vocal. Ce serait tellement plus simple si t'étais là, là, à nous écouter, parce que à expliquer, ça va être un peu difficile. Il y a... Pour les 22 de Noël, il y a l'option... je laisse Tara me choisir. Kali m'a... Kay m'a dit de voir avec toi. Ok. Fais-moi... Des screens. Fais-moi des screens. Page HDV de mascotte, monture et barde. Voilà. Et coiffure. En fait, s'il me fait des screens, normalement, je dois pouvoir voir en HDV ce qu'il a ou pas. Maintenant, ils ont rajouté un petit truc jaune pour dire « Ouais, je l'ai !» Et du coup, c'est vachement pratique. Alors, si je vais voir, parce que je peux regarder sur les screens de Kay. D'ailleurs, il va falloir que je trouve un moment le week-end prochain pour leur acheter les cadeaux. Les cadeaux de Noël pour l'event de Noël de la guilde, qui ne sera pas en live d'ailleurs. Alors, du coup, il y aura un soir où peut-être je serai off, je ne sais pas. Les event FF, je préfère les passer avec la guilde qu'en live, du coup, parce que tout le monde n'est pas dans le délire live. Tiens, on va voir les bardes. Genre, voilà. Là, juste là, je peux savoir ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Donc, du coup, ouais, c'est ça le truc. Pareil pour les mascottes. S'il me fait des screens comme ça et que j'en vois qui sont pas pris, je peux aller voir quelle mascotte prendre pour telle ou telle personne. Et voilà. Mascotte ou coiffure ou monture, ça marche aussi. Après, monture, elles sont beaucoup plus chères, mais ça dépend. Ça dépendra le budget de CL, ok? Je ferai un budget d'un montant commun à tout le monde et puis on verra. Donc, du coup, les bugs de guild, est-ce qu'on en a? Il y en a un d'actif seulement. On en a que 10. On va aller en chercher avant de commencer et puis on va aller sur l'histoire. Il serait temps d'avancer un petit peu. Comment que tu vas, Tiki? T'es comment ton live? Les backrooms, c'est comment? Nous, on a hésité à l'acheter à un moment donné. Mais bon, on a déjà It Takes Two à faire. Toujours pas commencé, d'ailleurs. Concert à Gridania. Ils sont si synchro. Bon, les buffs de guild, du coup, c'est là-bas. Est-ce que j'ai réparé mon stuff la dernière fois? Parce que c'est toujours le truc que j'oublie de faire. Non, c'est bon. Tout est ok. J'avais même fait... mes bijoux. Attends que je me souvienne de ce que je veux dire. On va pouvoir démonter ça. Prendre ça. Acheter des bienfaits. Et vous voyez, ce qui nous manque, c'est à boire et à manger. Hein. Alors, à boire et à manger qui est pour les gens faire les sadiques, du coup. Da-da-da. Ensuite, on a prix d'amis, parce que ça, c'est pratique. On n'aime pas payer trop cher. Voilà, c'est la crise. Hop. Bon, je suppose qu'il risque de repartir en sadique ce soir. Alors, du coup, je vais mettre un bienfait, mais je sais pas si... Voilà. On va laisser les 1 heure s'écouler et puis on en remettra quand ça s'écoulera. J'aime bien sa tenue avec la petite ça, je crois que c'est les tenues que j'aime bien, un peu cyberpunk. Ils ont fait ça au niveau 70-80, je sais plus. Bref, et donc du coup maintenant il faut que j'aille parler à Mérid qui est Isalbard. Let's go. Par contre, on en parle des TP qui sont super chers dans ce jeu. C'est la crise! J'ai utilisé des parchemins pour diminuer le prix des TP. C'est triste. Hop! Par là-bas.
En vrai, il n'y a pas plus court. Si, je vais là-bas. Urbain. J'étais perdu. Hein. Complètement perdu. Tout va bien. Donc là, c'est la partie où je vais devoir lire, je pense. Bonjour. Bienvenue au Méian de Méride. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Comment une invitée du satrape est dans le coma? J'espère qu'elle s'en sortira vite en tout cas. Mais en effet, elle aura certainement une fin de loup quand elle se réveillera et le Méian de Méride se fera un plaisir de contribuer à son rassasiement. Alors, qu'est-ce que je vous prépare? Des fruits non nourrissants, peut-être, de la viande ultra fraîche et de protéines. Vous n'avez pas de l'éther ou ma part. Voilà. Peu importe le prix, vas-y, on y va. On n'est pas des. Voilà. Votre idée me paraît financièrement alléchante. Mais je doute que nos aliments de luxe se soient appropriés pour une personne qui doit avant tout récupérer des forces. Que diriez-vous d'un panier de pommes plutôt? Elles sont bien juteuses et sucrées. Exactement ce qu'il faut à votre invité. N'hésitez pas à en goûter une, vous m'en direz des nouvelles, et une fois que votre ami sera remis sur pied, revenez me voir. Je vous en fournirai de quoi faire. Je vous fournirai de quoi faire ripaille jusqu'au petit matin. Ripaille? Sérieux? Il y a des fois, ils utilisent des mots, je te dis pas. Alors du coup, on va utiliser l'éthérite ici, on va juste aller l'éthérite là-bas. Je vous raconte tout mon passing, d'accord? C'est comme si je devais me défendre sur mon gosse, quoi. Et donc du coup, on va aller là-bas. Je pense qu'on aura le temps de faire quelques roulettes, hein, un truc un peu détente aujourd'hui. C'est pas la bonne quête que je suis. C'est vraiment pas la bonne quête que je suis en train de suivre. Mais lol. Je vais là-bas, mais c'est pas la quête qu'il me faut, c'est celle là-bas qu'il me faut. Faut que j'aille au méga d'état. Ah, j'aurais dû me douter, en plus faut que je retourne voir la meuf, faut que je retourne voir Zéro en fait. Il paraît que je suis à 3-4 de la fin, hein, donc là techniquement l'histoire elle sera finie. Hein. Et après on fera roulette, je pense, avec quête annexe, voilà. Par contre les quêtes annexes j'y suis pas et malheureusement, je suis désolée mais la quête de Hildebrand je l'ai jamais suivie. J'ai essayé le début, mais tellement frappé que... Ouh, bon retour parmi nous, je n'ai pas vu ce que tu disais. Dame Lina, Dame Nidana vous a précédé de peu, vous devriez la retrouver au chevet de Dame Zéro. Voulez-vous que je vous conduise dans sa chambre? Oui. Salut Caro, comment tu vas? Ça va, tranquillement. Tranquillou. On est là. Début de soirée, tranquille, tranquille. Il y a plus de couleurs sur mon retour de live que sur mon live. Lol. Mon écran est tellement blafard. Cette lumière. Où suis-je? Ouais, les couleurs sont beaucoup plus chaudes sur votre retour. Ouais, tant mieux. Écoutez. Un peu triste, parce que moi j'aimerais bien que les couleurs soient belles comme ça. Une auberge, peut-être? Ah oui. Je me suis tout à coup évanouie et puis... Ouais, je suis un peu triste parce qu'en fait, mon écran de PC, les couleurs sont pas aussi vivaces que je voudrais. Voilà. Elle est cute, Zéro, j'aime bien. Pas le temps de rêvasser. Il faut que je retourne me battre pour... Aïe, ma tête. Ah, ça y est, tu es réveillée. Oh Quand t'as jamais vu... D'où tu sors, toi? J'ai jamais vu un monstre pareil de ma vie. Un monstre? Où ça, un monstre? Tu disais ça pour rire, hein? Enfin, j'espère. Sois tranquille. Tu es en sécurité dans le monde primitif, qui existe en parallèle au tien. Les autres t'ont ramené ici après que tu as perdu connaissance. Ne bouge pas, je les appelle tout de suite.
Je t'ai apporté de quoi manger. J'espère que ça te plaira et te permettra de récupérer un peu d'éther. Si je comprends bien, je vais devoir faire une croix sur le tien. Mais si ces aliments en contiennent une quantité équivalente, je passe l'éponge. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu n'as jamais mangé normalement de ta vie ou quoi? Je crois que non. C'est le Senji. Et ouais, du spoil. Comment ça, Noël la semaine prochaine, en effet. J'ai aspiré leur éther comme d'habitude, voilà tout. Mais je sens une sixième chronique. Ça fait beaucoup de chroniques. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu dois mettre les aliments dans ta bouche et bien les mâcher avant de les avaler. Voilà, c'est nettement meilleur, non? Ouais, j'en suis pas si sûre. Elle est pas convaincue. C'est probablement parce que tu n'as pas l'habitude. Ton palais n'est pas encore suffisamment sensible au goût des aliments. Peut-être. J'avais mis dans le titre un curé du spoil. Il faut dire genre, que fin je de l'épopée, ça veut dire fin pour de absorber l'épopée. De l'éther. Ce n'est pas pour autant que mon ressenti est toujours strictement identique. La qualité de l'éther varie en fonction de la créature, ce qui peut induire des préférences. Un peu comme ce que vous appelez le goût, j'imagine. Kara, merci pour ton petit passage. T'as vu, j'ai mis un vote pour les jeux à reprendre. T'as vu ? Mais au fond... Je n'ai jamais particulièrement pris plaisir au processus d'absorption. Il est indispensable à ma survie, mais mélanger les terres d'autrui au mien me donne à chaque fois le sentiment de perdre une partie de moi-même. À choisir, je préférerais encore crever la gueule ouverte que d'atteindre le point de non-retour. D'ailleurs... Ce n'est pas faute d'être déjà morte plusieurs fois, d'ailleurs. D'ailleurs, Senji, si jamais tu veux voir du... Comment ça s'appelle? Elden Ring en live? Il faut que tu le proposes et il faudra qu'il soit voté pour les 1 an, les 1 an, les 2 ans de la chaîne, parce qu'en fait les 1 an on les a pas fait. Adieu Kara, adieu. Donc là en ce moment les gens me proposent des idées, donc si jamais t'en as d'autres. Mais Elden Ring pourra en être une. Plusieurs fois? Comment ça? C'est simple, je meurs. Et au bout d'un moment, je ressuscite. En récupérant toute l'énergie vitale que j'avais emmagasinée avant de trépasser, qui plus est. Je dois simplement faire preuve de jugeote pour mourir à l'abri des regards. Il ne faudrait surtout pas qu'une créature croise mon chemin pendant ce laps de temps et qu'elle ait l'idée d'absorber mon éther. Ça alors, voilà qui est absolument passionnant! Quand je vais raconter ça à mes collègues alchimistes qui étudient l'immortalité et la résurrection, ils vont sauter au plafond. Ah mais ça, c'est uniquement dans son monde. C'est que tu sois rassasié. Puisque tu n'apprécies pas tant que ça d'absorber les terres des autres, je me sens moins coupable de ne pas t'avoir fourni le mien. T'es passé le... Quoi ? Ça change en tout cas. Si tu as d'autres victuailles de ce genre à me proposer, je ne dirai pas non. Nous en avons à revendre même. Mais MP Discord, je peux pas tout de suite. Et je veillerai à ce que tu sois traité comme tel en ce qui concerne le gîte et le couvert.
D'ailleurs, à ce propos... Désolée de t'avoir amené ici sans te demander ton avis. Si tu le désires, nous te renverrons dans ton monde dès que tu te sentiras en pleine forme. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai aucune raison particulière de rentrer pour le moment. De toute manière, vous avez l'intention d'y retourner, pas vrai? Oui, dès que possible. Pour ma part, j'y passerai le plus clair de mon temps tant que je n'aurai pas sauvé ma sœur Ashdaya. D'après nos dernières informations, elle est entre les mains de Golbez. Si ça ne tenait qu'à moi, je me serais sûrement déjà rué à son secours. D'accord, bien sûr. C'est tout naturel. Non, merci. Mais le néant est un monde qui nous est hostile depuis plusieurs milliers d'années. Nous n'avons pas le droit de commettre d'imprudence si nous voulons avoir une chance de remporter la partie. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Pourtant, il vous aura suffi d'un seul séjour dans mon monde pour y provoquer un remue-ménage sans précédent. Vous vous en êtes sorti sans encombre, mais n'allez pas croire que la chance vous sourira aussi radieusement à chaque fois. Je suis bien conscient du danger depuis le départ, et vous avez toutes les deux raisons. Notre deuxième séjour risque d'être encore plus mouvementé que le premier. Prenons le temps de nous reposer et de nous y préparer au mieux. Entre-temps, je serai heureux que tu nous en apprennes plus au sujet du 13e reflet. En retour, nous ferons en sorte que tu te sentes à l'aise chez nous. Je te ferai visiter Razatan, la capitale de Tavner, mon domaine. Me voilà donc à nouveau en vadrouille ici. J'accepte de remplir ma part de ce nouveau contrat, à condition que tu viennes avec nous. Merci. Je te revaudrai ça. Ok. Pourquoi elle veut que moi je vienne? Voilà. Je suis personne. Juste la guerrière de la lumière. Pourquoi j'ai plus de souris? Pourquoi j'ai plus de souris? Je n'ai plus de souris, bah yes. C'est laquelle? C'est celle-là, je crois. La dernière fois que la souris m'a fait défaut. Ah, ça y est, c'est qu'elle est sur Discord, non? Oh, ça m'a... Je comprends pas où est ma souris, les gens. Elle a disparu, elle s'est fait la malle. Bon, bah écoutez, j'ai un problème de souris. Alors j'espère que juste ça va rien couper. Je suis en train d'échanger mes ports USB. Bah voilà, c'est que mon jeu il a crash. Quand j'ai plus de souris, c'est que mon jeu il crash. Ah. J'ai encore des bugs de souris. Ça. Que c'est pas parce qu'il y a une... Où est ma souris? Eh ben, elle s'est refait la malle. Mais... On tente des choses, c'est sûr. Bon, la souris, là, alors, elle s'est refait la malle. J'ai envie de péter un plomb. Allô, m'entends? Souris revenue. Ok. Alors, c'est le souci avec DirectX en fait. Donc du coup, ça va pas bien. Je suis désolée pour les bip bip dans vos oreilles. Ça aurait dû être super agréable. Du coup, je peux aller voir mes MP hein, en attendant. Il
Je regarderai. C'est quoi Sky Children of the Lake? What? Ah oui, mais sur Switch, je peux pas live. Sur Switch, j'ai pas ce qu'il faut pour live. C'est meur. C'est meur, Sanji. Je remets mon tapis de souris bien. Je prie pour que ça ne m'embête pas plus longtemps et on relance. J'ai les codes à taper, hein, je suis désolée, ça va prendre un petit peu de temps. Je suis un petit peu triste. Du coup. La fête des étoiles d'ailleurs, il y a aussi la quête de la fête des étoiles qu'il faudrait qu'on fasse après. Je sais pas ce qu'ils ont fait préparer cette année pour ça. Rico d'ailleurs. Ouah, j'ai envie de bailler. Je vais juste checker que mon retour il est ok. Donc on va relancer avec le perso. Juste vérifier en fait en lançant la page internet que le live est ok aussi. Parce que si je perds l'image, si le live a complètement planté, je ne le vois pas sur le logiciel. Je ne vais le voir que sur la page internet. Donc voilà. Eh ben, bon. On a un petit peu mal commencé. Hein. Ça fait même pas une demi-heure, on a déjà un bug. On a déjà eu un crash. Oh, c'est trop joli. Bon, tu nous disais quoi déjà? D'ailleurs, j'ai oublié de voir si on m'avait parlé tout à l'heure, et là, du coup, ça a effacé l'historique de conversation. Quelle sensation étrange d'être dans un monde aussi plein à craquer des terres. Rien que le souffle du vent sur mon visage me requinque petit à petit. Tant mieux, à ce rythme, tu seras en pleine forme en un rien de temps. Tu voulais visiter un endroit en particulier? Pas vraiment. Tiens, pourquoi ne pas me montrer où je peux trouver de la nourriture comme celle de tout à l'heure? Je ne suis pas sur le point de m'évanouir à nouveau, mais ce sera toujours bon à savoir en cas de nécessité alimentaire. Au Meyanoméride, viens, nous allons te présenter à Mille, la serveuse. Ok. Donc là, c'est un truc, je peux pas me TP en mode, ils me suivent, donc... Bon. Voilà quoi. Pardon, je suis perdue! Même là, je cherchais ma souris. Donc le Mayan de mérite, c'est tout là. Oh, on est obligé de prendre le pont. C'est pas si loin que ça en vrai. Ça, c'est dans ces moments-là où t'as envie de passer Bard. Juste pour ça, là. Par contre, du coup, je suis au-dessus à la place de... Je suis pas au bon endroit. Donc je saute. Ça va, salut ATP. J'étais pas sûre de mon move, là. Donc ensuite, c'est par là-bas. D'accord, j'ai les deux. J'en ai pas perdu en route. En général, c'est suffisamment bien fait sur FF pour que t'en ne perdes pas. Et tant mieux. Sinon, ce serait compliqué.
C'est pas pour la quête principale, ça, c'est juste pour dire... Pour... Ouais, ok. Faut parler direct à la... serveuse là-bas, pardon. Je passe du coup sur les tables. Bonsoir, bienvenue au Mayenne de Méride. Ne bougez pas, je vous prépare une table tout de suite. Merci, Milil, mais ce sera pas nécessaire. Nous sommes juste de passage pour te présenter notre nouvelle amie Zéro. Elle vient de très loin et n'est pas encore habituée à notre cuisine. Alors je compte sur toi pour prendre particulièrement soin d'elle et de son menu. Ah, donc elle est... C'est donc elle dont Méride me parlait, pardon. Pas de souci, comptez sur moi pour la régaler matin, midi et soir. Les pommes que tu as mangées tout à l'heure proviennent d'ici Zéro. Tara s'est chargée de te rapporter l'aliment idéal pour que tu récupères au plus vite. La cuisine du palais est tout aussi délicieuse, mais tu pourrais aussi passer de l'une à l'autre comme bon te semble. D'accord, je m'en souviendrai. Et ces gens qui se trémoussent sur l'estrade, ils sont là pour manger ou être mangés? Ni l'un ni l'autre. Les gens qui se trémoussent sont des danseurs. Ils sont payés par l'établissement pour faire le spectacle et égayer l'atmosphère. Après une dure journée de travail, les Hanois aiment se détendre et prendre du bon temps. C'est avant tout pour ça qu'ils viennent dans ce genre d'endroit. C'est de la nourriture, c'est un étal. Je te jure. Les humains ont des façons bien complexes de s'amuser, probablement trop raffinées pour une créature du néant comme moi. Nous sommes beaucoup plus terre à terre dans le 13e reflet. Pourtant, je suis sûre que les divertissements étaient tout aussi complexes dans ton monde avant le déluge de ténèbres, non? Peut-être, j'ai oublié. Bon, et si nous poursuivions la visite? Prochaine étape, le bazar de Balshan. Balshan? Balshan, peut-être. Où sont les produits du monde entier se bousculent sur d'innombrables étals. Ok. Let's go. La quête m'emmène là-bas. En vrai, on n'est pas loin. Mauvaise porte. Très mauvaise porte. C'est par là. Il y a un sacré paquet de marchandises ici. Voilà. Il y a un sacré paquet de marchandises ici, donc. Pourquoi autant? Nous sommes dans le bazar. Ici, certaines personnes vendent, d'autres achètent. Mais il arrive aussi que les rôles s'inversent. Razatan est une plaque tournante du commerce international depuis des générations. C'est pourquoi cet endroit regorge de produits venus du monde entier. Il y a une meuf qui est venue juste derrière Marshan et qui a fait « Il est où ?» En général, l'acheteur paye son dû en pièces de monnaie ou en mémo quartz. La pratique du troc n'étant pas dans nos habitudes. Si tu désires te procurer de quoi que ce soit, tu n'auras qu'à me le dire, je m'occuperai du reste. Voilà donc l'utilité de ces mémo quartz. J'ai découvert leur existence il y a quelque temps de cela, lorsqu'une créature qui avait été invoquée en tant qu'avatar en a ramené dans le néant. Elle m'a dit que les humains leur attachaient beaucoup de valeur, mais vu leur pauvreté absolue en éther, je ne comprenais vraiment pas pourquoi. À ce propos, je ne me rappelle pas avoir croisé d'endroit qui ressemble à un magasin dans le 13e reflet. Malgré votre pratique des pactes et des échanges, on ne peut plus équitable. Cela veut dire que vous n'effectuez jamais de transactions matérielles. C'est très rare. Ce genre de rapport avec autrui ne s'impose que quand nous avons besoin d'un service. Lorsqu'il s'agit de s'approprier un tel matériel, nous éliminons simplement l'obstacle qui nous empêche de l'obtenir. Intéressant. Pour le dire de manière plus adaptée à ce monde-ci, les seules transactions que vous pratiquez se font dans le cadre d'une sorte de contrat de travail. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, plutôt. Pourquoi je suis bien là-dedans, je ne sais pas. Sur ce, il est temps de nous diriger vers notre point de passage suivant, le creuset de l'alchimia, où nous discutons avec Issou. En route. Pourquoi ma...
Ma souris a encore bugué, j'en ai marre. Voilà, là, elle est revenue. Ah, elle faisait le tour de l'écran, mais je pense que c'est le double écran là qui a foutu la merde pour le coup, mais... Je ne sais pas pourquoi. Bienvenue à vous et à vos amis, vénérée satrape. Ne vous inquiétez pas pour votre corps d'adulte, il est entre d'excellentes mains. Nous aurions simplement besoin d'un peu plus de temps pour le faire briller comme un sous-neuf, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Merci infiniment pour votre travail, rien de presse pour le moment. Vous pouvez donc y consacrer le temps qu'il vous faudra. Vu le résultat exceptionnel auquel vous êtes parvenu à la fois précédente, je vous fais entièrement confiance. Salut Chewie, comment tu vas ? Le creuset de l'alchimia est l'atelier des alchimistes de Razatan. En plus d'avoir créé les marionnettes qui me servent d'avatar humain, ils effectuent toutes sortes de recherches sur les terres. Ils pourront donc sans doute te soigner en cas de coup dur. Au fait, tu ne semblais pas le moins du monde surprise en me voyant dans ce corps d'enfant à ton réveil. Comment as-tu deviné qu'il s'agissait uniquement d'un réceptacle pour mon âme ? Ce genre de métamorphose est très fréquent dans le néant. Nombreuses sont les créatures qui abandonnent un corps affaibli pour en investir un plus résistant. J'en conclus que vous êtes la fameuse invitée dont son excellence nous a parlé. Tous nos alchimistes trépignent d'impatience à l'idée de vous rencontrer, vous savez. Que diriez-vous de nous tenir un peu compagnie autour d'une bonne tasse de thé ? Nous essaierons de ne pas vous assommer de questions en même temps, c'est promis. Non, j'ai assez absorbé des terres pour aujourd'hui. Et si je ressens le besoin de me substanter, à nouveau, je peux toujours aller au Méhen de Méride sans avoir besoin de tailler le bout de gras. En d'autres termes, un peu moins direct, ce sera pour une autre fois. Et si nous retournions au palais du Megadouta à présent, Zéro, si quelque chose t'attire l'œil sur le chemin, n'hésite pas à nous le faire savoir. Faut retourner à pied là, ça vous êtes en train de me dire? On peut se TP? Non, on peut pas se TP, je suis sûre qu'on peut pas se TP. Donc le palais, ça va être par là-bas, il va falloir remonter par là, je pense. On prend les escaliers là, donc ça va être virage à 360. Non, mais peut-être pas 360, c'est demi-tour. 90. Voilà. Je me remets en tenue. Vous fabriquez une sorte de nourriture ici, j'ai l'impression. Vu son volume, il doit falloir en ingurgiter une quantité énorme pour se sentir rassasié. Ces fruits s'appellent des mûres. Les humains en consomment de temps à autre, mais si nous en cultivons autant, c'est surtout parce que les feuilles de leur arbre servent à nourrir les vers à soie qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre industrie textile. En outre, l'écorce des mûriers possède des propriétés médicinales naturelles très efficaces, crois-moi. Il n'y a peut-être pas de végétal plus essentiel dans la vie quotidienne des tables des rois. Les humains. Ouais, c'est ça. Les humains. Il y a Looping qui parle. Bien sûr, Looping ne parle jamais, mais dans ma tête, c'est comme ça qu'il parle. Intéressant. Oui, Looping parle dans ma tête. Est-ce que c'est pas fou, ça, quand même? En fait, plus j'explique, plus je m'enfonce. Bref, on continue le dialogue. On passe à autre chose.
Intéressant, je n'aurais jamais cru qu'il pourrait avoir une autre utilité que de vous nourrir. Votre Excellence, Tara. Tiens, le jeune Merad et sa sœur Yasra. Tout va bien, l'orphelinat ? Comme sur des roulettes. On est assez nombreux à avoir perdu notre famille, malheureusement. Mais ça nous permet de nous serrer les coudes encore plus fort. En plus, on a reçu la visite d'Estinien l'autre jour. Tout le monde ici le connaît maintenant. Alors, je peux vous dire qu'il a été accueilli comme une star. Estinien a pensé à vous, donc. C'est une très bonne nouvelle. Je suis ravie que ça vous ait autant fait plaisir. Estinien lui a piqué la vedette. C'est une de tes amies, Tara ? Une amie, qu'est-ce que c'est ? Ça se mange ? Hein, comment ça ? Qu'est-ce que c'est ? Bah oui, vient d'une autre planète. Une autre dimension, du moins. Il se trouve que cette personne est originaire d'un pays très lointain. Il faudra encore un peu de temps pour se familiariser avec notre langue et nos coutumes. Eh ben, on n'a qu'à commencer la première leçon tout de suite. Un ami, c'est quelqu'un de proche avec qui on se sent bien. On aime se voir et passer du temps ensemble, quoi. Quelqu'un de proche avec qui on se sent bien. Quand Zenos t'appelait mon ami et croisait le fer avec toi, c'était parce que tu lui inspirais ce genre de sentiment ? On va savoir ce que j'inspire à Zenos. En un sens, oui. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, bah peut-être, hein. Je vois. Mais pourquoi y accorder autant d'importance ? J'ai vraiment du mal à comprendre. Et j'avoue que je comprends pas non plus la logique de Zenos là-dessus. Il kiffe se friter contre moi, mais il m'appelle son ami et... il m'a fait un petit coup bas pendant la guerre. Où il a pris ma place. Vas-y, on swap ton corps, on va voir si tu t'en sors aussi bien. En mode, vas-y, bats-toi le laurier, quoi. Wesh. Bon, après, c'était plus l'idée de la science, je pense. Attendez, je remets mes cheveux en place. Je remets la perruque en place. Ok. C'est bon. C'est bon, je ressemble plus à un Chewbacca maintenant. Chewie, désolé, c'est pas pour toi. Zenos s'appelle ouais, jusqu'aux confins de l'univers pour te rejoindre. Au final, il y a laissé sa vie. Et tout ça, dans quel but au fond ? Tu t'es pris une balle perdue, je suis désolée. Mieux vaut oublier ces histoires, je ne suis pas Zenos. Et maintenant qu'il est mort, je ne pourrai jamais entièrement le comprendre. Désolée, je n'arrive pas à expliquer le sens du mot ami, mieux que ça. Inutile de t'excuser, ce qui est évident pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres, voilà tout. Non, c'est bon, j'ai cru qu'elle allait la faire pleurer. Il faut qu'on retourne faire des courses. On les reverra bientôt. À la prochaine! Elle me regarde chelou. Une amie, c'est quoi? Ça ne m'étonne pas! En observant votre monde à travers les yeux de Zenos, je pensais en avoir saisi la plupart des subtilités, mais force est de constater que je me trompais. En fait, plus je passe de temps avec vous, plus je me sens perdue. Votre façon de vivre est si spéciale pour moi que parfois, je ne sais même pas quoi en penser. Mais je dois dire que ce n'est pas un sentiment si désagréable au fond. Je n'avais pas vécu autant de nouvelles expériences depuis une éternité. Rien que pour cette raison, ça valait le coup de venir. Ok. Varshan, qu'est-ce que t'as à me dire ? Je crois bien que Zenos a apprécié cette petite... Que Zenos ? Non, je vois des Zenos partout maintenant ! Que Zero a apprécié cette petite promenade plus qu'elle ne veut bien le montrer. Merci de t'être prêté au jeu, Tara. Sur ce, allons retrouver les autres au palais du Megadouta. Ok, bah le palais étant là-bas, je pense qu'on peut y aller à pied.
Pas comme si c'était si loin que ça. Oui, il y a un point de vue là-bas. Cette fois-ci, on va utiliser le bard. Ça allait faire de l'XP. Hop. Point de vue sur Azatha. Mais n'empêche, c'est joli. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Cette ville est magnifique. Tu joues un rat? Je suis pas un rat. Pourquoi je joue un rat? C'est pas un rat, regarde. C'est une femme dragonne. C'est une aura. Un rat. Là, je joue pas un rat, non. Oh, c'est mignon, un rat, mais bon, voilà. Après, si tu veux voir des rats, il y a d'autres jeux. D'accord. T'as des femmes chats aussi, donc des mi-côtes. T'as des humains, t'as des elfes. T'as des gros chats. C'est... Oh, putain, je me souviens. Ah, c'est comme dans Final Fantasy, je me souviens plus comment s'appelle la race. Oh, flûte. T'as des hommes et femmes lapins aussi. Genre, les Vira. Voilà. T'as plein de races sur FF. Et ravi de vous voir de retour, Damina. Voulez-vous que je vous conduise à l'intérieur? Oui, apparemment, j'ai besoin d'une escorte à chaque fois, parce que... Je sais pas où je vais. Donc elle va plutôt être race humaine. Lui, c'est un aura comme moi. De cette petite escapade touristique, Zéro. Donc elle plutôt humaine. Il y avait des humains partout. En effet, j'imagine que tu n'as jamais eu l'occasion d'en voir autant d'un coup dans ton monde. Certains d'entre eux se sont même spécialisés dans l'accueil des touristes, tu sais. Si tu as besoin de renseignements, tu peux t'adresser à eux. Giachtola, c'est une mi-côté. C'est une femme chat. Et Sinian, c'est un elfe. Mais les elfes s'appellent pas des elfes. Merci du conseil, mais je compte faire à nouveau cavalier seul. Je perds tous mes mots. Je n'ai pas de quoi rendre l'appareil à tous ces gens désireux de m'abreuver de leur savoir. C'est des élésènes. Voilà. J'ai réussi à garder en mémoire quelques poèmes retraçant l'histoire du 13e reflet. Mais je serais bien incapable de prouver leur authenticité. Malgré tout, si mes sources vous conviennent, je veux bien vous dire ce que je sais de l'événement majeur qui a provoqué la plongée de mon monde dans les ténèbres. La guerre des Memoria. Nous sommes là pour ça? Dis-nous tout, s'il te plaît. C'était il y a 3 millions d'années. Le 13e reflet. Jadis, c'était un monde paisible et pacifique, où une douce lueur brillait dans le ciel comme ici. Il y a une race qui ressemble au char, justement. Et puis un jour sont apparus les suppôts des ténèbres. Ils étaient capables d'invoquer des créatures monstrueuses et immenses appelées Edolon. Et ils ont transmis, merde, j'ai raté le... À force de prières et d'oraisons répétées, les Edolon ont fait leur apparition dans mon monde. L'un après l'autre. Donc les Edolons ont transmis leur savoir aux hommes. Ah. Non, c'est moi. Si ces suppôts des ténèbres sont ceux que nous connaissons sous le nom d'Assien, alors ces Edolons ne peuvent être que l'équivalent de nos primordiaux. J'ai cru qu'elle avait fini, en fait, elle n'est pas finie. Parce que moi, j'avais lu la fin de la phrase et en fait, elle n'est pas encore... Malgré la différence d'appellation... Je vois que vous avez tout de suite fait le lien avec les événements qui vous concernent. Vous n'aurez donc probablement aucun mal à imaginer que l'arrivée des Edolons a sonné le tocsin de la guerre. Et comme dans chaque guerre, les plus faibles sont tombés en premier. Mais alors que la douleur et la tristesse dominaient sans partage les esprits, un groupe de jeunes gens dotés d'un talent hors du commun eut le courage de se dresser face à l'adversité. On les a rapidement nommés les manieurs de Memoria. Vous l'aurez deviné, leur pouvoir spécial consistait à sceller les Edolons dans les cristaux du même nom.
Parmi eux se trouvait ma mère. Plus elle mettait d'Edolon hors d'état de nuire, plus son corps absorbait les ténèbres. Et c'est ainsi qu'elle mit au monde une enfant hybride. Moitié humaine, moitié créature du néant. Une enfant hybride qui n'avait pas besoin d'un déluge de ténèbres pour les contenir déjà en elle. J'allais justement y venir. Qu'est-ce qui a provoqué le déluge dans ce cas ? On aurait tendance à imaginer que les manieurs de Memoria ont tenté leur maximum pour faire revenir la paix. Mais visiblement, ils ont échoué. Vous savez aussi bien que moi que toute lumière comporte une part d'ombre. À force de manipuler des cristaux saturés de ténèbres, ils se sont fait ronger l'âme, petit à petit. T'as vu, je les ai lâchés, ça y est. Ils sont fous. Je disais, je ressemble à Chewbacca. Voire à Hagrid, ça dépend qu'est-ce que tu préfères. Il faut qu'ils finissent de sécher, sinon ils vont sécher attachés, c'est pas bon. Par la suite, certains se sont mis à les utiliser pour transformer les humains de mon monde en créatures du néant. Puis voilà. Ils ont formé une armée dont ils ont pris la tête en lieu et place des Edolons. Ça peut paraître incroyable, mais c'est la stricte vérité. Quelle idée de laver. Bah... Écoute... Des gens de bien pervertis par leur volonté. Je voulais qu'ils brillent. Un nombre infini d'étoiles dans l'univers, mais toujours la même histoire. Pas si vite. J'ai bien précisé qu'il ne fallait pas tous les mettre dans le même sac. Un groupe de braves bénis par la lumière s'est dressé face à la trahison de leur père ayant succombé aux ténèbres. C'était le cas de ma mère. Et par extension, le mien. Je me suis battue sans relâche. Et j'ai éliminé bien des êtres dénaturés. Mais malgré tous nos efforts, nos ennemis semblaient toujours plus nombreux. Et alors que nous étions au bout de nos forces, le monde s'est brisé. Le déluge a eu lieu, c'est ça ? Je sais toujours pas ce qu'il a causé, hein. La lumière des cieux s'est éteinte, et un voile de noirceur nous a enveloppés. Au sommet de mon impuissance, j'ai vu le torrent de ténèbres fracturer le mur dimensionnel et m'aspirer à toute vitesse. Je ne saurais dire combien de temps j'ai passé ensuite dans l'interstice dimensionnel. Mais il m'a paru une véritable éternité. Au bout de cette errance interminable, j'ai remarqué une fissure qui semblait être apparue par hasard. Et j'en ai profité pour m'échapper de ma prison. Le sourire redéconne ? Nice. À mon retour, j'ai compris que la terre sur laquelle je vivais n'existait plus. À sa place, s'étendait à perte de vue un espace dévasté, où il n'y avait plus rien. Voilà donc comment tu t'es à nouveau retrouvé dans le 13e reflet, en ayant conservé ta qualité d'être hybride, malgré le déluge de ténèbres. Peu importe ce que j'en pense, car au fond, j'ai été objectivement chanceuse. Si je n'avais pas eu une part d'obscurité en moi, je me serais faite dévorer par les autres créatures du néant en un battement de cils. Moi, dont l'avenir était compromis dès la naissance, j'ai pu me fondre sans mal dans un monde à mon image, à jamais condamné. C'est pas joyeux cette histoire. Hein. C'est pas la grosse ambiance à table. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que ton monde est à jamais condamné ? Nous avons tous pu constater qu'il existe toujours, il me semble. On va le sauver ! Comment ça ? Pour t'expliquer le fond de l'affaire, je vais devoir remonter tout l'historique du monde primitif. De ses reflets et du projet de leur réunification. Même résumé au maximum, ça va être un peu long. Alors essaie de rester concentré jusqu'au bout. Oh non, c'est moi qui ai envie de pas rester là. Ah non, c'est bon, elle résume. J'ai pas besoin d'écouter tout ça. Oui.
Par contre, vous auriez pu faire une ellipse. En somme, puisque le 13e reflet n'a pas encore été uni au monde primitif, il existe toujours indépendamment des autres. Dans le cas du premier reflet, la prêtresse de la lumière était parvenue à contenir le déluge et à épargner ainsi une partie des terres. La situation n'est donc pas exactement la même. Mais... Cependant, le remède au problème est forcément identique. Après un choc aussi important qu'un déluge, il est indispensable de restaurer l'équilibre élémentaire. À Norvrant, nous y sommes parvenus en faisant revenir les ténèbres. En outre, deux jeunes demoiselles de notre connaissance ont réussi à redonner vie au flux éthéré du grand vide, au point de faire renaître un monde utopique. On peut donc imaginer sans peine qu'il existe une solution adaptée au 13e reflet. Tâchons toutefois de ne pas prendre nos rêves pour des réalités, car les obstacles ne manqueront assurément pas de se dresser sur notre chemin. J'espère au moins que tu auras compris, au vu de notre expérience, que nous avons l'habitude des crises planétaires. Attendez, je n'y comprends plus rien. Pourquoi avoir traversé cette porte du néant, alors? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans mon monde, en réalité? Notre but premier est de retrouver Ashdaya. En théorie, nous n'avons ni le temps ni l'énergie de fourrer notre nez dans des affaires extérieures qui sentent le roussi. Toujours aussi. Sauf quand les anciens héritiers se sentent concernés et qu'il leur serait impossible de jouer les ignorants sans passer pour des lâches. Ce qui n'est certainement pas le genre de la maison. Je te signale que t'en fais partie, Seigneur. N'est-ce pas, camarade? Si Ashdaya est effectivement retenue prisonnière par les créatures du néant, sa libération et celle du 13e reflet pourraient bien être liées. À mon avis, nous devrions nous attendre à la possibilité de faire d'une pierre deux coups. Faites comme vous le sentez. Pour être honnête, je me fiche de ce qui peut arriver à mon monde, en bien comme en mal. Dans ce cas, on ne se gênera pas, mais on aura toujours besoin de ton concours pour venir définitivement à bout des créatures. Acceptes-tu de continuer à nous soutenir ? Combien de fois devrais-je vous le répéter? Tant que je reçois la dose d'éther qui m'est due, tout ira bien entre nous. Au fait, maintenant que vous avez attiré l'attention de Golbez, préparez-vous à ce que j'augmente mon tarif. Considérez ceci comme un acompte. En vrai, je pense qu'elle commence à bien nous aimer. Je dirais pas, mais... j'ai plus ma souris. J'adore. Aujourd'hui, ça a décidé de me faire péter des plombs, je crois. Ma souris, elle est en haut là-bas. Et là, elle bouge pas. Ok. Elle bouge pas du tout. Si je clique, elle clique. Pourquoi ça veut pas? Plus de batterie. Non mais elle est branchée en fait ma souris hein, donc ça peut pas être ça. Hein. Je te dis, il doit y avoir un faux contact ou un truc parce que... Elle est toujours allumée hein. Donc en soi... J'ai un poil de chien dedans, c'est peut-être ça. Même là j'arrive pas. Bricole. Ou alors, comme tout à l'heure, direct X à planter. Mais tiens, j'ai Kali là. Allez Kali ! Problème de souris, Kali !
je pense qu'il y a eu un souci. Toutes les demi-heures, bordel. Voilà. Bon. J'ai remis ma souris. J'en ai marre, par contre. Ça commence à me saouler. Comment je peux faire pour éviter que le problème se reproduise? Attendez, je cherche une solution, puisque si je relance pour une demi-heure encore, ça va me casser les pieds. On tente une dernière fois, si ça ne marche pas. Je serai obligée sans doute de soit changer de jeu parce que ça me saoule, voilà. Soit autre chose, je ne sais pas encore. Attendez, j'arrive. Soit je change de jeu, soit... Faut que je redémarre tout, mais tout redémarrer, ça me fait chier, en fait. Voilà, voilà. Vous savez tout. Je suis en train de regarder les trucs sur TikTok. TikTok, c'est le mal. Pourquoi? Parce que t'y passes des heures et que tu vas pas le temps passer? Mon Dieu, je savais pas que ça tenait. Ok, c'est bon. L'avantage, c'est que les crashs, ils attendent que mes cinématiques elles soient finies. Bah, c'est sympa. Oh, bah, je suis en repart en cinématique, lol. Ah, mais j'aurais dû en profiter pour te montrer les races. Je suis bête. Nous ne sommes pas restés bien longtemps dans le néant lors de notre première visite. Mais suffisamment pour nous assurer que ma sœur était toujours vivante et pour y faire la connaissance de Zéro, sans laquelle nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors, 1, elle n'était pas à poil. 2, c'était Bayonetta, c'est un jeu vidéo, d'accord? Il est connu, d'accord? Mais Dieu, tu vas pas supprimer. Non, elle était pas à poil. C'est faux. C'est faux. Demande à Elfis. Tara, je suis sage que je suis éternellement reconnaissant pour votre aide, à toi et à tous tes amis. Je suis sincèrement heureux de vous avoir à mes côtés durant cette épreuve. Nickel cette chose. Maintenant qu'ils sont au courant de notre existence, je ne doute pas que Golbez et ses nombreux serviteurs attendent de pied ferme notre retour dans le 13e reflet. Nous pouvons d'ores et déjà nous préparer à affronter les plus périlleux dangers. Mais tant que Zéro, toi, Yashtola et Estinia seraient là, nous triompherons de tous les obstacles et finirons par libérer Azdaya. Azdaya! Ce n'est qu'une question de temps et rien d'autre.
Alors, pourquoi lui demander? Parce que je lui ai renvoyé, du coup, quand tu m'as dit... Et bah, je fais, ah merde, je l'ai pas envoyé à la bonne personne. Pouf, renvoyé à Elvis. Je pense bien. Je pense bien. D'ailleurs, hey, tout à l'heure, je vois Dezo. Si tu veux, je lui dis que... On voit avec lui si la madame a la poêle ou pas, si tu veux. Il a live sur ce jeu, hein. Je pense pas qu'il aurait live, sinon. Bon, ça doit être pendant ce temps dans le monde des ténèbres. Quoi du genre. Dans le 13e reflet. D'abord Scarmillion, puis Barbaritia. Tu l'as pas dit, c'est dommage qu'elle soit pas blonde. Incapables l'un que l'autre. Quoi qu'il en soit, tout porte à croire qu'on cherche à nous transformer en mémoria et qu'on en a les moyens. Ils sont à la recherche de la dragonne. Nous devrions donc nous attendre à recevoir leur visite ici, tôt ou tard. Et si elle était loin, ça m'aurait pas dérangé, mais là. Il est grand temps que nous mettions de l'ordre dans nos affaires. Justement, j'aurais une proposition à vous faire à ce sujet. Un plan pour éliminer définitivement cette petite bande de gêneurs. Quant à la condition sine qua non de sa réussite, elle est très simple. D'accord. Il me dit « Ouais, tu m'envoies des nanas à poil !» Puis là, finalement, tu me dis « Vas-y, envoie-les-moi » Et elle était pas à poil, encore une fois. Hein. Je répète, hein. C'était un TikTok totalement 18 mois. Hein. Il n'y avait pas de problème. Moi, seulement ce son. Ok, je retiens. Je préférerais ne pas le faire sur tes ordres. Mais je... Merde, je vais le lire. Puisque la confiance ne vous fait pas défaut non plus, tâchez de ne pas subir le même sort que Barbaritia. Il y en a un qui dit que moi, tant que j'ai de quoi m'amuser en pourfendant de la chair fraîche, je préférerais ne pas le faire sous tes ordres, mais j'avoue n'avoir jamais été un cérébral. Okay. En ce qui me concerne, je n'ai aucunement l'intention de dépérir sans avoir réalisé mon vœu le plus cher. Au contraire, si mes actions peuvent servir de point de départ à la guerre sacrée, je ferai feu de tout bois. S'il en est ainsi, je te souhaite d'accomplir ton destin. Soyez assurés que je reviendrai chargé de bonnes nouvelles. Pas à moitié, j'irai un quart à la rigueur. Je vais enfin pouvoir semer à nouveau le chaos. Oh, l'image elle est petite, je vois rien. Ma souris s'est rebarrée. Non, c'est bon. J'ai tellement peur. Je ne reculerai devant aucun sacrifice, pas même celui de mes quatre généraux. J'arriverai au bout de ma route, quel qu'en soit le prix. Ma guerre sacrée, elle libérera ce monde du pouvoir de stagnation. Et tu disparaîtras avec lui en maudissant ton destin lorsque tu recevras le coup de grâce par un élu de la lumière. Je porte en moi cette résolution depuis si longtemps. Si t'as toujours pas accompli ton but, c'est peut-être le temps de laisser tomber, non? Avec tes faux abdos là, vas-y. Désormais, le passage est libre. Et je vais enfin pouvoir assouvir mon désir le plus cher. Mon voisin me répond pas.
C'est le fils. Tu me dis sinon hein, je frappe à la porte, je lui dis oh, réponds à Mitsu. Je peux. Même un monde depuis longtemps assombri ne peut réduire toute sa mémoire en débris. C'est joli. Ça y est, ça y est. Suite à la prochaine mise à jour, on a fini ici. Coucou Kali. Je vais juste, du coup, vite fait aller sur la page de départ pour montrer les classes à Chui. Chui, t'es toujours là? Oui, alors, du coup, je re... Ah, il a de belles armes qui brillent, j'aime. Yes, aucun spoil. Non, mais c'est bon, il n'y a pas gros spoil, là. Il n'y a pas gros spoil, là. Je vais montrer juste les races. Nouveau personnage. Donc, t'as les Yurs. Les Yurs qui sont, en fait, les humains. Ok. Et en fait, dans chaque classe, t'as deux sous-parties qui changent un peu le skin aussi et voilà ce que tu peux avoir dessus. Bref. Mais je vais te montrer qu'un seul à chaque fois. Donc, t'as les Elezen qui sont les elfes. D'accord. Tu as les Lalafel qui sont des gnomes. T'as les Mikots qui sont les femmes et hommes chats. Là. Les Rogadin qui sont des Rogadin. Je ne saurais pas t'expliquer. T'as coupé le live. À toutes, Sanji. Merci de ton passage. T'as les Aora qui sont les hommes et femmes dragons, lézards, ce que tu veux. Meilleure race là. Les Rodgar qui ressemblent un peu à des chars. C'est ça, hein. Et les Viera qui sont les femmes et hommes lapins. Du coup, voilà. Mais tu vois qu'on a un équivalent, tchat. Ouais, vite fait. Oui, mais c'est pas le même lore, tu vois. Donc c'est normal que ça soit pas la même chose. Mais dans les FF14, tu as des Rodgar. Donc bon, voilà. Là, tu peux personnaliser le skin aussi et tout. Mais les chars, il n'y a que dans Guild Wars 2. Il n'y a que dans Guild Wars 2. Il n'y a pas ailleurs. Tu peux pas les retrouver ailleurs. Voilà, il n'y a que dans du Guild Wars. Voilà, voilà. Donc bon. D'ailleurs, faut que je retélécharge le jeu. J'ai un nouveau disque dur, donc je peux mettre beaucoup plus de jeux qu'avant. Donc il faut que je remette ça, il faut que je remette les Sims. Il faut que je remette Diablo 3, Overwatch. J'ai plein de jeux à remettre, voilà. Et dans Guild Wars 1, oui, il y a, bah, dans les Guild Wars, dans l'univers des Guild Wars, c'est ça que je veux dire. Ah, vous jouez sur les mots ce soir, c'est quel mot je vous ai piqué. Et Rekali, du coup. Pas de gros spoil, je... Ah oui, bah oui, non, oui. Le spoil, en effet, il y en a eu un peu, mais j'étais sur la fin de l'épopée, donc il fallait que je la fasse, hein. Là, malheureusement. Donc là, on va aller sur des quêtes annexes et du donjon, si jamais il y a du monde qui veut venir. Bah, Guild Wars 2, c'est que j'y joue plus en ce moment, en fait, Chui. C'est... J'ai trop de jeux, et AFF, c'est vraiment le MMO que je suis depuis le début. Ouais, moi je veux venir. Mais t'as pas le jeu, toi. Toi, t'as pas le jeu et t'aimes pas lire. Dans FF, la lecture est importante. C'est pas ce que tu m'as dit ce matin. Kali, tu m'entends ou pas, du coup? Je sais même pas si tu m'entends maintenant. Oui, mais ça, après, c'est pas un exemple. Hein. Voilà, là, c'est des quêtes secondaires, donc je skip. Hein. Voilà, j'ai pas le temps. Mais voilà quoi.
Aïe, tu veux faire ta roulette ou pas? Du coup, je te demandais. Ah, bah voilà, c'est ce qu'on a vu dans la cinématique tout à l'heure. C'est quoi cette merde? Une quête annexe, on est d'accord. Hein, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ces conneries. Je suis intriguée pourtant. Hein. On me voit plus derrière mes cheveux. J'ai un rideau de cheveux, t'as vu. On me voit plus. Ça me raconte l'histoire de je sais pas quoi. Bon, je passe tout ça parce qu'en soi, je n'ai pas envie de faire ça. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je n'ai plus envie de lire. À partir de maintenant, les live FF, ce sera des roulettes. C'est pour ça que tu m'attendais. D'accord, d'accord, d'accord. Et je ne te fais pas attendre plus longtemps. Comme on n'est que deux... Attends. J'ai un ami hier qui m'a dit si t'as besoin d'aide. Dis-moi... Ah, il est pas là. Merdouille. Du coup, je suppose que tu n'as pas débloqué les derniers trucs. Donc tu dois pas avoir l'experte. Je tente quand même de lancer l'experte, on sait jamais. Voilà, voilà. De toute façon, au pire, ça passe pas. Mais la classe que tu veux prendre... Et si tu es prêt, je t'envoie petit truc. Ok, tu es prêt. Donc, expert, normalement ça ne passe pas puisque normalement tu m'as dit que tu l'avais pas. On va essayer donjon 90. Peut-être se retrouver sur Discord d'ailleurs. Hop, vite fait sur Discord. En espérant que je bug pas, hein. J'ai eu pas mal de bugs là, j'ai eu deux crashs. Je suis dans stream, viens dans salle d'attente si tu veux bien. On a une égalité entre Genshin et Kingdom Hearts. Si jamais ils sont toujours à égalité, ce soir ou demain, je choisirai peut-être moi-même. Voilà, voilà. Coucou Kali. Yo. Bah, en fait, ma quête que je dois faire maintenant dans l'histoire, c'est l'avenir de Tavener. Donc, j'ai beaucoup de retard. Attends, parce que du coup, j'ai encore perdu ma souris. Je n'ai que 1, 2, 3, 4 donjons 90. Mon jeu a encore crash, je crois. Oh non. Si, si. J'ai un problème avec DirectX. Bon, tant pis, pas grave, quoi. Bah, alors, je vais faire une petite pause, puis je vais... Non, mais je vais relancer. Normalement, ça devrait être bon, mais c'est quand je fais retour Windows, j'ai l'impression que ça pose problème. Et là, je suis revenu sur Windows pour... J'ai vu le conseil que tu m'as donné. Ce qui était... Des screenshots, des mascottes ou des montures. Ouais, en fait, c'est pour moi savoir... Y a rien qui m'intéresse. Je peux pas lancer le truc. En fait, moi, ce que je cherche, c'est des équipements, quoi. Des équipements stylés, tout ça, quoi. Je cherche au glamour. Mais même si je veux... Ouais, mais bon. Des équipements stylés, ça va dépendre des goûts, donc je peux pas trop... Je passe mon temps sur le glamour pour voir les stuffs qui pourraient être sympas. Je suis obligée de courir comme ça, hein. Vous m'en voulez pas, c'est juste que je peux pas tourner ma caméra. Je suis un petit peu emmerdée. Ah, c'est chiant. J'ai vendu un pot de bambou à 6K5. Ouais, j'ai beaucoup de retard, mais il faudrait que... Honnêtement, l'épopée est un peu chiante. Pour certains trucs. Autant des trucs hyper sympas, autant des trucs hyper chiants. Je peux pas partir comme ça, ok. Je sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il y a comme skin sympa qui pourrait aller? Tu vois ce skin partout là? C'est armure, c'est Summer Sunset Beach Cover quoi. Mais je pense pas qu'il y ait moyen de le revoir pour l'instant.
Moi j'aimerais bien que ça crache, mais une bonne fois pour toutes, quoi. Histoire que je puisse... J'en ai marre, ça bug et je peux pas rien faire. Bon, bah écoutez, je pense que c'est une fin de live. J'essaie de relancer juste après et on voit ce que ça donne. Parce que là, c'est tout planté, d'accord. Je peux rien faire. Marcher comme ça, c'est pas très pratique, d'accord. Ceci, oh. Ah, c'est là. Donc du coup je reviens. Ça va me normalement tout me couper, si je dis pas de bêtises. Je sais même pas. Il faut le plastron de pisteur Packington quoi. Une armure 80.